avons choisi deux programmes, un programme Téléman et un programme Bac. Alors le programme Téléman, en fait, il est en lien avec un disque qu'on a enregistré et qui vient de sortir, et qui est sorti le 13 janvier chez Mirare, un disque consacré à de la musique de chambre de Téléman. Nous, l'ensemble La Rêveuse, donc, on est un ensemble de musique de chambre, et on avait envie vraiment de remettre un peu Téléman au goût du jour, parce que c'est un compositeur qui était vraiment très très connu de son vivant, même plus connu que Jean-Sébastien Bach, ce qu'on sait rarement. Et évidemment, maintenant, les choses se sont un peu inversées. Tout le monde connaît Jean-Sébastien Bach, on connaît beaucoup moins Téléman. Et nous, on apprécie beaucoup ce compositeur, qui était passionné aussi, puisque c'est quelqu'un qui vient d'une famille de pasteurs, donc il ne vient pas du tout d'un milieu de musiciens. Et il a vraiment dû lutter pour s'imposer comme compositeur. Il a dû un peu s'expliquer avec ses parents qui voulaient qu'il fasse du droit. Il a quand même réussi à imposer ce qu'il voulait faire. Et c'est un compositeur vraiment passionnant. Et on est très heureux de lui consacrer un programme voilà, et de mettre, qui met en, finalement en valeur le disque qu'on vient de faire. C'est un petit peu un défi puisque il faut être assez endurant. Voilà, on répète dans des conditions, c'est assez rapide en général. On arrive pour le concert, on a un raccord qui dure un quart d'heure et puis après il faut jouer. Mais je dirais qu'on a déjà participé d'autres fois en 2009 et puis en 2006. On est un petit peu habitué, on connaît la règle du jeu, hein, c'est vraiment une règle du jeu, le public le sait aussi. Donc ça porte bien son nom de folle journée. Et c'est très intéressant de voir l'engouement du public et le mélange aussi générationnel et social. Voilà, il y a vraiment toutes sortes de gens qui viennent ici, qui sont attirés par l'aspect événementiel, évidemment. Il y a des mélomanes, des vrais aficionados, et puis il y a aussi d'autres gens qui viennent parce qu'il y a un événement et qui veulent être là. Et c'est vraiment, pour la musique classique en général, c'est un événement très important.